Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode numéro 8 sur God of War 4. On s'était arrêté là la dernière fois. Bah, c'est parti, on va trouver un autre chemin pour passer. Alors. Et moi, je vais juste augmenter le son de mon jeu. On en a rien à foutre qu'il y a de l'écho dans le micro finalement, parce que tout le monde s'en bat les couilles du let's play. Donc je peux me le permettre. Des ennemis devant! Oh putain. Bon, y a pas de vie, c'est chiant. Hein. Ça, c'est incroyable. Putain, mais y a beaucoup de coffres qui sont maintenus par ces trucs là. Je sais pas comment les enlever. Hein. Y a rien ici. Là. Ça va servir à quoi ça? Ah d'accord. C'est comme ça qu'on fait alors. Ouais, c'est pas top, hein. Oh, on a déverrouillé ça. Viser un ennemi avec R1 pour sélectionner 3 cibles sur un ennemi. Ah ouais, d'accord, pas mal. L'enchaînement lancé de précision provoque désormais une force d'explosion à l'impact. Faut voir une fois. D'accord. Lors d'un sprint, appuie sur R2 pour effectuer une puissante attaque sautée. Ah, ça je veux ça. Ça je veux. Accumuler à chaque coup de hache, ouais. Lors d'une esquive, plus ou moins. D'accord, on va économiser pour s'acheter ça là. 1500. Ok.
Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Pourquoi il le tue? Il a rien fait. Arrête de supposer. Tu assistes à la fin d'une guerre, Atreus. Tu ignores comment ils en sont arrivés là. Mais il s'est même pas défendu. C'était son choix. Nous faisons les nôtres. Regarde, d'autres ponts de lumière. Suis-moi. Moi, j'aimerais de la vie, si possible. Quand même, merci. Prépare-toi. Établis tous les passages. De la vie, s'il vous plaît.
Ah ouais, alors là c'est un peu tendu là. Ah, il doit y avoir un moyen là. Ah, attends. Ah, ok. J'ai flippé cette tête. Je pense pas qu'on devrait être là. Silence. Reste sur tes gardes et ne t'éloigne pas. Dis, quand on aura atteint la lumière, comment on la fera rentrer dans le Bifrost, à ton avis? La sorcière a dit d'entrer dedans. Vraiment? Juste avant d'être arrachée à ce royaume. Comment il peut rater ça? Tu étais plus préoccupé par son sort que par notre objectif. Silence. Je le tiens. Ton couteau, vite. C'est loin. Ne t'éloigne pas de moi, Atreus. Pas besoin de me le répéter. Oh, c'est tellement gluant. Inanuna ! En voilà un autre ! Reste là ! Bon les gars, c'est une zone de boss, hein, je vous le dis. Ça pue la rage. Là, quand ça tombera, tiens-toi prêt. On devra faire vite. D'accord. Oh putain! Continue de tirer! Je vais dégager la voie! D'accord!
t'es volé. Tu m'avais dit la précision avant la vitesse. Il y a des cibles partout. Tu ne peux pas les rater. Ah, ok. Je crois que j'ai la manette qui bug. Les trois tests du chemin devraient les retenir. Reste concentré. Tu es blessé. Non, ça va. Waouh, c'est magnifique. La lumière, elle fait réapparaître le temple tout entier. C'est la source de tout. Écoute, elle chante. J'entends. Je l'entends. Je t'avais dit que c'était elle. Tu crois qu'elle est ici? Oh, ça fait vraiment mal. Comme si maman était en feu. Reste ici. Mais je veux dire... Tu restes ici. Ne l'utilise qu'en dernier recours. Tu me donnes ta hache? Je te laisse tenir ma hache. Ce n'est pas un cadeau. Quand même. Il faut que tu reviennes. Tu m'as laissé tout seul. Atreus. Avec lui. Il part sans arrêt. Il est jamais là. Il veut pas de moi et il m'acceptera jamais. Ah, on est de retour à la maison. Je sais rien de lui, et il sait rien de moi. Mais je l'intéresse pas. Je suis fort, et intelligent. Je suis pas comme il l'imagine. Je sais que j'ai raison. Il me parle jamais. Il veut rien m'apprendre. Ça aurait dû être lui. Tu m'entends? Lui, pas toi. Je ne pense pas vraiment. Tu sais que je l'aime. Je voudrais juste qu'il soit meilleur. Je sais qu'il en est capable. S'il fait des efforts, j'en ferai aussi. Mais sinon... Je t'en prie, reviens. Je sais que t'es là quelque part. Bon.
attends. Reviens. Non. Non. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Je t'ai sauvé. T'étais coincé là-dedans. J'ai attendu encore et encore, mais comme tu revenais pas, alors je t'ai tiré de là. Atreus, je ne suis parti que quelques... minutes. Non! T'es parti vraiment... très longtemps. Je savais plus quoi faire, tu m'as abandonné. Encore une fois. Pourquoi tu t'en fiches? C'est impossible. On devrait partir avant qu'ils reviennent. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais. Putain. Oui. Allez, m'arrache alors. On peut sortir grâce à ça. Mais il n'y a pas de lumière pour créer un pont. On est coincé. Et la corde d'arc de la sorcière ne sert à rien. Atreus, ton arc. Tiens-le. Flèches lumineuses. Vous avez obtenu des flèches lumineuses. Lancez-les sur les cristaux lumineux pour les remplir de lumière d'Alfheim. Quand je te le dirai, lance ta flèche sur la pierre. Alors. Ça a marché. On peut rebrousser chemin maintenant. Viens. Ah, ma fameuse hache était là. L'escalier est bloqué. Bon ben... Ah mais c'était par là qu'il fallait aller, putain je suis trop con. Lumineux. Là, juste devant. Il pourrait peut-être nous aider à quitter cet endroit sordide. Encore un coffre inaccessible. Ah d'accord, faut les mettre ici. Ouais.
Je l'ai eu là, non? What the fuck? Pourquoi il y a un coffre que je peux pas ouvrir? Ah, il était bugué, d'accord. Ah, celui-là, je sais pas comment je vais faire pour l'avoir. Remontons à la surface. Alors t'es gentil, je veux bien aller là-haut moi, mais... Je sais pas du tout par où il faut aller là. Ah, peut-être par là-haut. Ok, c'est par là. Il est où Atreus? Ah, il est là. Comment on ouvre ce coffre? Ah, ça. Attaque runique rapide. Attaque décrivant un large cercle et inflige des dégâts de givre modérés. Oh! Maintenez R1 pour charger jusqu'à 3 vagues de dégâts de givre. Ça fait plus de dégâts, ça. Je préfère ça.
flèches lumineuses renforcent l'état d'affaiblissement de l'ennemi. Les flèches lumineuses infligent plus de dégâts d'étourdissement aux ennemis. C'était quoi le truc de Kratos que je voulais acheter là? C'était ça. Est-ce que je peux l'améliorer celle-là? Non. Oh yes. Ok. Bon, comment on passe? Où est-ce que tu vas mettre ça? Dans ton cul. Ok, bon, bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode numéro 8 et puis rendez-vous la fois prochaine. C'était Iconite, and see you next time for the next episode. Oh yeah.